Downtown or something like that. I thought we got permission to. I have complaints for the noise. So okay. If you want to protest on the sidewalk, I don't have any problem with that. I'm just going to ask you to just don't take the microphone. The loudspeaker. Everything's going to be right. That's a violation of charter rights. No, it's not a violation. Freedom of expression. Sir. Because we the have right to living here. That doesn't matter. Policeman that I spoke to on the phone. MAPAC is failing to discharge of a legal duty. In Montreal, there's a municipal bylaw that you cannot. The municipal bylaw does not go over charter rights. I'm not talking to you. I'm talking to her. Let him finish. We're only trying to see this cat. Record? Let him finish. There's 300 cats in there and they're dying. I understand that. But what I'm telling you is right now there's a municipal bylaw in Montreal for the noise. I received complaint that it is disturbing the, I would say it in French, So how do we protest if we you want to protest, you can protest. You have your signs right there. So if we have to just be quiet and no, but stand. Don't use the... Oh, I have a loud enough voice. Okay. I don't need a loud speaker. Sorry, okay. You're going to get one too. I'm just telling you. It's a residential neighborhood. It's not like this is an industrial area right now. Building. Yeah, right, but so how does one that is the municipal dilemma. So respect the people you're living with. Does the city respect me? Yes. No, they don't. I come and I speak to you quite respectful. You are respectful. That's it. You are a human person. You're not the city. Well, you're representing the city right now, but that's your employer. Free the cat, Barbara! They're disturbing the voice of the public. Can you translate? Article 180 of the criminal code. Monsieur, ici, monsieur, ici. Je ne vous embarquez pas sur les lois juridiques avec vous. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que je vous demande poliment. Vous êtes neuf. Je comprends votre cause. Vous pouvez manifester. C'est correct. Je vous donne le droit de manifester. C'est moi. Si on arrête, moi, ça, tu es un pendant. Tu vas pas voir ce qui se passe. Pourquoi moi tu vas rentrer là-dedans? Pourquoi je vais rentrer là-dedans? Moi je vais lever des choses. Moi je vais lever des choses. Tu vas rentrer là-dedans puis qui vont venir s'en occuper. Il y a des inspecteurs au niveau du MAPAC qui vont venir le faire. Donc en ce moment, moi ce que je vous dis, là j'ai des plaintes pour le bruit. Je vous demande de ne pas utiliser le speakerphone. Puis je vous demande d'être un petit peu conciliant auprès des gens qui restent ici. C'est pas compliqué. Vous n'êtes pas au centre-ville où là il n'y a pas de résidents, ça ne dérange personne. Vous pourriez crier, là vous êtes dans un secteur résident. Juste résidentiel et industriel aussi. Oui, mais il y a des résidences, monsieur. Ça, c'est la faute de la ville. Mais c'est pas la faute de la ville. C'est une réalité, monsieur. Qui va en payer le prix? C'est pas la ville, c'est les résidents autour. C'est les chats qui vont c'est en payer le prix. C'est les résidents autour. C'est aux résidents de contacter la ville, monsieur, de dire qu'ils sont pas contents à cause de... Monsieur, vous seriez à côté, vous aimeriez pas ça. OK, on va refaire ça tous les fins de semaine. Ben, écoutez, vous le ferez à toutes les semaines, c'est votre droit. C'est votre droit si vous voulez manifester. Je ne vous empêcherai pas de manifester. Ce que je vous demande, c'est de faire entendre en considération. On va faire du bruit jusqu'à temps que vous venez à chaque fois nous aviser d'arrêter faire du bruit. Mais oui, monsieur. Là, mais non, s'il n'y a pas de voyant. Je vous avise formellement. Oui. Je demande de ne pas utiliser ce speakerphone et je vous demande de ne pas crier à tout seul. Vous êtes capable de manifester, il n'y a pas de problème. Il y a une façon de le faire. On est rendu des mimes. On n'ira nulle part avec ce discours-là, vous et moi. Je vous le sais, je le sais, c'est sûr. Vous allez m'amener les arguments, là, je vous dis, d'être raisonnable par rapport aux résidents qui restent autour. C'est pas compliqué. On va lever des charges criminelles, c'est tout. On va actionner la SPVM pour une violation du droit constitutionnel. La sonnerie, je vous empêche pas de manifester, je vous informe de certains règlements que vous devez respecter aussi. Mon nom, c'est Sergent Pelletier, matricule 5046. Si vous n'êtes pas d'accord, vous irez porter plainte. J'ai aucun problème. Oui, à déontologie, puis en cour civile contre la ville, puis la SPVM. C'est votre droit. Ah oui, parce que la madame Yankowski et la famille Weeder, hein? Ils sont pesants.